Bonjour Thibault. Bonjour David. Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, un classique de la littérature française. Ok. Tu connais ce livre, tu l'as déjà lu ou pas? Non. Non? Ok. Je voudrais qu'on fasse une expérience ensemble assez étrange justement avec ce livre. D'accord. Et avec un marque-page. Ok. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais m'effeuiller comme ça les pages du livre et tu vas me dire stop où tu veux. À l'endroit où tu me diras stop, je vais intégrer la carte et ce sera l'endroit que tu enchaînes. Parfait. D'accord? Stop. Ici. Ok. J'ai une question importante pour le reste du tour. Est-ce que tu veux qu'on change ou est-ce que tu veux qu'on en reste là? Non, on en reste là. On en reste là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter la page et tu vas mémoriser et le numéro de la page et le premier mot. Tu l'as en tête? Oui. Ok. L'idée est simple. Le but du jeu, c'est que j'essaie de deviner le premier mot qui sont sur la page que tu as choisi. Ne me dis rien. J'ai l'impression que c'est pas un mot, mais c'est plutôt une phrase. Oui. C'est pas un mot, et je dirais plutôt que... Bah tiens, c'est rigolo ça. C'est je dirais plutôt que, c'est ça? C'est je dirais plutôt que, tout à fait. Ah, c'est rigolo ça. Ok. Tu as la page en tête? Oui. Ok, ne me dis rien. Hein. Sans... 126. Imagine que tu puisses virtuellement prendre ce livre et l'ouvrir à la page 126. D'accord. Imagine que tu puisses prendre ce livre et virtuellement déchirer la page 126. Déchirer la page 126, ouais. Ok. Imagine que virtuellement tu puisses prendre cette page 126 et la glisser sous le tapis de carte. Ouais. Tout ce qu'on a fait, c'est de manière virtuelle. Tout à fait. Il y a quelques instants, la page 126 était dans le livre. Oui, oui. Parfois, il suffit d'un claquement de doigts pour que du virtuel, on passe au réel. Je peux te laisser prendre le livre. Bien sûr. Et l'ouvrir à la page 126. C'est 126 que tu as. 126. 126. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus. En fait, c'est pas qu'elle n'y est plus, c'est qu'elle est déchirée. Au moins qu'elle est blessée. Tu te rappelles qu'actuellement, on avait dit qu'on allait la glisser sur le tapis. Sur le tapis, oui, tout à fait. Tu peux regarder sur le tapis toi-même, moi je ne vais pas y toucher. Une page, est-ce que tu peux vérifier que ça correspond mot pour mot, déchireur par déchireur à la page que tu avais choisie? Je dirais plutôt que page 126.